Ciao tutti, je suis de nouveau avec vous, à nouveau avec mon petit manuel d'apprentissage, donc Assimil, Italian Visit, donc anglais-italien. Je vais reprendre à nouveau quelques petites, dialogues pour justement... parler, donc lire en italien et puis en anglais. 40esima lezione. La scuola italiana. La carriera scolastica di un italiano comincia a 6 anni con la prima elementare. The Italian school. The school career of an Italian begins at 6 years of age with the primary school. Dopo 5 anni lascia la scuola elementare e passa alla scuola media per 3 anni. After 5 years, the child leaves the primary school and goes to middle school for 3 years. Alla fine di questi 8 anni ho completato il ciclo di istruzione obbligatoria e gratuita alla scuola dell'obbligo. At the end of these 8 years, he has completed the period of obligatory and free education, instruction. È il momento di scegliere tra studi letterari, liceo classico 5 anni, e studi scientifici, liceo scientifico 5 anni. It is then time to choose between literary studies, classical high school 5 years, or end the scientific studies, scientific high school 5 years. Oppure è possibile iscriversi ad un istituto tecnico o professionale 5 anni, scuola che porta più rapidamente ad un impiego. Or else it's possible to register at a technical or professional college 5 years at school, which leads to a job more quickly. La scuola italiana non è a tempo pieno, all'una e mezza, al più tardi tutti sono a casa dopo una media di 5 ore di lezione. The Italian school is not full-time at 1:30 p.m. I don't know, as the latest everyone is at home after an average of 5 hours of studies. Con la maturità classica o scientifica o con un diploma di studi secondari è possibile iscriversi all'università. With a classical or scientific certificate or with a secondary studies diploma, one can it's possible enter at the university. Il diploma di laurea che dà accesso al mondo del lavoro si ottiene in 4 o 5 anni. A master's degree diploma of laureates given which gives access to employment as is obtained in 4 or 5 years. Bastano 4 anni, per esempio, per la laurea in lettere, giurisprudenza, scienze politiche, matematica, eccetera. 4 years are sufficient, for example, for degrees in the arts, law, political science, mathematics, eccetera. Durano invece 5 anni i corsi di laurea in medicina, economia, architettura, eccetera. 5-year courses are necessary, however, for degrees in medicine, economics, architecture, I don't know. Per uno strano paradosso, l'Italia è un paese dove il numero dei laureati è molto superiore al numero dei posti di lavoro esistenti. It is a strange paradox that Italy is a country where the number of degree holders is by far superior to the number of existing jobs.
E nello stesso tempo ci sono soprattutto nel sud zone particolarmente arretrate. And in the meantime, there are particularly developed areas about all in the south, dove il tasso di alfabetizzazione è ancora molto basso, where the literacy rate is still very low. Franchement, ça va. Encore un tout petit truc, et basta. In English, allez. Revisione in note. The best transcription of the progressive present tense stare plus gerund would be in the process of plus the infinitive. Che cosa stai facendo? Sto guardando la televisione. Why are you watching television? This is usual to indicate an action requiring a certain time to be achieved, and one can nearly always use the indicative present. Che fai? Guarda la televisione. What are you doing in watching la television? Here are the various forms of the gerund present tense. Verbs of the first group and are and ando. Verbs of the second group leg, ere, leg, and do. Verbs of the third group fin, ire, fin, endo. Three regular gerunds fare, facendo, bere, bevendo, dire, dicendo. Cosa fai? Guardo la televisione. Cosa stai facendo? Sto guardando la televisione. What are you doing? I'm watching television. In English, the progressive present tense is used extensively with the verb to be. Ok. Je sens que si je vais continuer à lire en italien et en anglais tout ce bouquin, eh ben, je pense que ça va vite se faire, l'apprentissage ça va vite se faire, parce que apparemment en apprenant en français, ben, ça n'avance pas tellement vite, mais là en lisant en anglais plus en regardant en italien, honnêtement ça me donne envie de comprendre et d'apprendre, et là j'ai déjà compris un petit leçon concernant ces terminaisons justement pour les verbes réguliers et irréguliers, donc ça ne pose aucun souci. Et ce qui est aussi étonnant et drôle, c'est que quand j'apprenais l'italien avec une fille via Skype, justement par ce site Exchange, Conversation Exchange, où je l'ai trouvée, bah en fait, comme elle ne parlait pas français, mais elle comprenait un petit peu le français, elle était en Angleterre, moi j'étais ici, mais elle est italienne, et moi je ne suis pas du tout ni italienne, ni française, ni anglaise, donc ukrainienne, et en fait quand elle m'expliquait quelque chose en italien et je ne comprenais pas, elle passait très rapidement à l'anglais. Et bon, c'est vrai que c'était étonnant, mais ça me permettait de me retrouver assez facilement, et puis de me rappeler d'anglais que j'avais appris à l'école. Donc c'est assez sympa de se remémorer ce qu'on avait il y a des années en tête, et on commence à oublier. Voilà, donc je vous prie de ne pas lâcher prise, de continuer à apprendre. De continuer à, je ne sais pas, moi, apprendre sur internet, à aller voir les gens de langue étrangère que vous apprenez, de continuer tout simplement, motivez-vous et avancez, ça va vraiment vous aider dans la vie de future, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, franchement, où que vous alliez et que vous parlez une autre langue, c'est toujours beaucoup plus agréable de parler la langue du pays lequel vous visitez en ce moment. Et ce bagage ne pèse pas lourd, ce bagage, c'est un bon bagage qui vous accompagnera tout au long de votre vie, même lire les livres en langue d'origine, c'est nettement plus sympa et c'est magnifique de comprendre ce que vous n'étiez pas censé comprendre quand vous ne connaissiez pas, cette langue d'apprentissage. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette courte vidéo.
peut-être pas très instructif pour vous, puisque voilà, il n'y en avait rien d'instructif. C'était encore une fois une petite lecture pour moi-même, hein, de se rappeler de nos mots, de se rappeler de ces deux magnifiques langues. Et puis voilà. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Ciao.